Théoriquement, en Aïkido, la technique est censée naître du Mawai au moment de l'attaque. En fait, il s'agit de maîtriser la distance qui existe entre les deux protagonistes. Cette dernière est vivante et en mouvement permanent. Elle ne s'est pas réunie les deux partenaires lors de l'action. Mawai peut donc être considéré comme l'espace qui met en évidence la position la plus avantageuse à partir de laquelle il est facile d'attaquer ou de se défendre. Ce concept est tout à fait en relation avec la notion de limite qui permet de préserver l'espace vital. Le Mawai est souvent affaire de perception et en fonction de la situation, une technique prend naissance plutôt qu'une autre. Une des richesses de la pratique de l'aïkido réside dans le fait qu'elle nous confronte à de nombreuses distances. Que ce soit la saisie de l'épaule ou du poignet, les frappes avec les mains ou les pieds ou l'étude des armes, Mawai permet de mettre en ordre, en fait d'harmoniser toutes les distances.